C'est ce qu'ils disent dans les commentaires. Il m'appelle Vin Diesel. Oui, bah, quand je t'ai vu, j'ai vu la première fois, j'ai dit y a Vin Diesel dans mon cours. Tu lui ressembles vachement, ça me fait sûr. Bienvenue à tous, bande de solides. Bon les gars, super vidéo aujourd'hui avec Thibault Laya qui est nutritionniste et diététicien, qui intervient aussi à l'INSEP, donc pour les athlètes professionnels. Donc c'est du très très lourd les gars. Salut Thibault. Salut David. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Tiens, vas-y. Ok, merci. Bienvenue à tous, bande de solides. On est prêt à devenir des bolides. Thibault Laya, je vais tourner la caméra pour que ça puisse centrer sur lui. Qu'est-ce que tu veux? Eh ben écoute, moi je suis diététicien nutritionniste. Pour mon parcours, moi j'ai un brevet d'état en culture physique culturisme à la base, un BTS diététique. Ouais. Après j'ai un DU en sport et santé, DU en sport et nutrition, DU en biologie de l'entraînement du sport, ouais. DU en micronutrition alimentation santé et DU en phytothérapie. Quand on est, on ne compte pas. Donc ouais. C'est vraiment un domaine qui me passionne. Voilà. Autant vous dire, je vous ai ramené du lourd les gars. Et puis après au niveau de mon activité, je suis formateur à l'IUT de Clermont en nutrition du sport. Je donne des conférences régulièrement. Puis les sportif au cabinet médical de l'ASM. Je m'occupe aussi de la... Ça, c'est les athlètes professionnels. Ouais, pro et semi. J'ai suivi la sélection olympique de lutte pour les JO de 2012. Et ça, c'était avec l'INSEP, ça? C'était avec l'INSEP, uniquement pour la sélection de lutte. Je m'occupe aussi du suivi du Pôle France judo à Serra, l'Arthénium de Serra. Et puis après, il y a tout un tas. Alors, dans mon activité de tous les jours, je fais de la consultation essentiellement. Et puis, j'ai beaucoup de... Il y a des sportifs, professionnels, non professionnels, et puis beaucoup de personnes sédentaires qui viennent pour différents problèmes de santé ou de poids ou... Voilà, quoi. Autant vous dire, les gars... Excuse-moi, tu sais, je me laisse aller avec la caméra, excuse-moi. Pourtant, j'ai sorti ma chemise, mais j'ai fait un effort. T'es classe, t'es classe. C'est stretch. Ça en est, la Stan. Ouais. Ça met en valeur, aussi. Ouais, ça met en valeur, ouais. Purée. Il doit se dire, il est fou, la ville. Excusez-moi. Bon, ok, bon, le thème aujourd'hui, comme on l'a dit, ça sera sur la protéine. De quoi il fait un muscle? Alors, un muscle, c'est pas compliqué. Un muscle, bon, c'est un tissu maigre, donc qui est fait essentiellement d'eau, hein, 80% d'eau. Et puis après, on a de la protéine, hein, qui fait toutes les fibres contractiles. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle des tissus conjonctifs, des aponévroses, qui sont en fait des tissus qui vont, comme des sacs, qui vont enfermer, qui vont contenir le tissu musculaire. Et puis, on va trouver aussi du glycogène. Donc, le glycogène, c'est la réserve de sucre qu'on va trouver dans le muscle, qui peut représenter entre 1 et 3, voire 4% du contenu musculaire. Donc il faut garder à l'esprit que c'est quand même essentiellement de l'eau à 80%, de la protéine, et puis des glucides, et puis du tissu conjonctif. C'est quoi la fonction de la protéine, Thibault? Au niveau musculaire? Oui. Alors ben, au niveau musculaire, la fonction de la protéine, c'est de faire des fibres, entre guillemets, qui vont avoir des propriétés contractiles. Donc les protéines, d'une façon globale dans l'organisme, elles vont servir à tout un tas de choses. C'est-à-dire qu'on va fabriquer des neuromédiateurs avec les protéines qui permettent au cerveau de fonctionner, qui permettent aux organes de communiquer les uns avec les autres. On va fabriquer des enzymes digestives, on va fabriquer tout un tas de choses. Et on va fabriquer aussi tous les tissus maigres. Par exemple, le tissu osseux, c'est de la protéine sur lequel il y a du calcium. Et le tissu musculaire, bien évidemment, qui est essentiellement constitué de protéines, quoi. Donc c'est vraiment un nutriment qui est ubiquitaire, c'est-à-dire qui intervient dans toutes les fonctions de notre organisme. Quel dosage? Il y a des recommandations précises pour les apports en protéines. Alors je vais te donner un petit peu toutes les recommandations. Ouais. Hein, que d'une façon globale, quelqu'un de sédentaire devrait consommer entre 0,80 g et 1 g de protéines par kilo de poids de corps idéal et par jour. C'est-à-dire qu'on raisonne en kilo de poids de corps idéal et par jour. Quelqu'un qui pèse 70 kg et puis qui n'est pas en surpoids et qui ne fait pas d'activité physique, il devrait consommer entre 60 à peu près et 70 g de protéines pures par jour. Après, quand je fais de l'activité physique, je suis entre 1,2 g et 1,4 g en fonction du type de discipline que je pratique. Et si je cherche à faire de l'hypertrophie musculaire, je monte au-dessus d'1,5 g. Donc 1,5 g kilo de poids de corps idéal jour, c'est le minimum pour débuter une hypertrophie. C'est-à-dire que pour avoir un effet hypertrophique, si je fais de la musculation ou pour entretenir mon tissu maigre, c'est 1,3 g, 1,4 g. Si je fais de la musculation pour prendre de la masse, il faut que je dépasse le gramme 5. On entend souvent, effectivement, monter la dose, monter. Non. Faut pas faire n'importe quoi. 2 grammes maximum par poids de corps. 2 grammes maximum par poids de corps, si c'est bien réparti sur la journée et si l'entraînement est bon, parce qu'il y en a beaucoup qui s'entraînent mal et puis qui se gavent de protéines, mais si l'entraînement est pas bon, ça marche pas non plus. Hein. Okay. Donc prendre des temps de repos, parce que c'est sur les phases de récup qu'on hypertrophie. Ouais, ça c'est important, ça. Il y a tout un tas d'études qui montrent qu'il n'est pas nécessaire de monter au-delà de 2 grammes de protéines kilo de poids de corps idéal jour. Donc c'est quand même des choses qui sont assez cadrées, assez étudiées au final. Naturellement, bien sûr. Naturellement, ouais, voilà, ouais. C'est ça. C'est ça. Et pour une femme sédentaire? Une femme sédentaire, c'est pareil. C'est 0,83 à 1 gramme de protéines kilo de poids de corps idéal jour. Donc on prend le poids, une femme qui pèse 50 kg, qui ne fait pas du tout d'activité physique, eh ben, elle doit consommer entre 42 et 50 grammes de protéines pures par jour. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe si on surdose? Alors si on surdose, c'est-à-dire que bon, il y a tout un tas d'études qui montrent que le surdosage, faut quand même y aller.
Il faut quand même durer longtemps dans le surdosage pour que ça pose problème. Après le surdosage, il y a différents effets. Il fatigue le foie, puisque s'il y a trop de protéines, c'est le foie qui va dégrader ces protéines. Ça peut fatiguer les reins en produisant beaucoup d'urée, beaucoup de déchets azotés. Et il y a aussi un effet paradoxal, c'est qu'on parle de balance azotée, c'est-à-dire que quand il y a trop de protéines, en fait, on a tendance à perdre du muscle. C'est-à-dire que si l'apport n'est pas équilibré et que j'ai trop de protéines, il y a en fait ce qu'on appelle une charge acide qui va se développer. On va produire de l'acide, de l'acidose. Et ça, ça va avoir tendance à limiter la prise de masse musculaire, voire à le diminuer. Dans le meilleur des cas, je perds un peu de muscle, mais dans le pire des cas, par contre, il peut y avoir, je peux fatiguer le rein et puis le foie. C'est pas le muscle qui va s'auto-dégrader. Alors il faut savoir déjà qu'à l'effort, on casse du muscle. Donc quand je vais faire un entraînement, je vais casser du muscle, et la prise de protéines qui vient après l'effort permet de reconstruire plus solide. Pour la musculation, ça. Voilà, pour la musculation, ou pour toute autre discipline. Si je vais faire un trail et qu'il y a de la dénivelée, je vais casser du muscle, on le sent, on a mal, et donc après, on reconstruit. Et ce qui se passe, en fait, c'est que s'il y a vraiment trop de protéines, c'est le métabolisme des protéines qui est galvaudé, en fait. Et c'est-à-dire que le foie va brûler ses protéines à des fins énergétiques et non plus pour en faire du muscle. Et en fait, on va produire en plus une charge acide qui va avoir tendance à déminéraliser et à limiter la fixation des protéines sur le muscle. Bois beaucoup pour tes reins. Voilà, par contre, il faut vachement boire quand on mange de la protéine. Il faut beaucoup plus boire. Voilà, c'est pas une légende, ça. Non, c'est loin d'être une légende. Ça, il faut vraiment bien boire. Le repère, c'est d'avoir des urines qui soient claires. Dès que les urines sont foncées, c'est qu'on ne boit pas assez. Les urines du matin sont toujours un peu foncées, mais après, dans la journée, il faut que ce soit le plus limpide possible. Pourquoi on l'utilise dans tous les sports ? En fait, le muscle, c'est un tissu qui se renouvelle tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, je perds du muscle, et tous les jours, en fait, ce muscle est réparé. Que je fasse du sport ou non ? Que je fasse du sport ou non. Plus je vais faire d'activité physique, et plus je vais user. C'est comme une voiture, qu'elle roule ou pas, elle s'use. Mais plus elle roule, plus elle s'use. Donc plus ma voiture elle roule, plus il faut que je change les pneus souvent. Ben, c'est un petit peu le même truc. C'est-à-dire qu'en fait, plus je vais faire d'activité physique, quelle que soit l'activité physique que je fais, et plus j'aurai besoin de renouveler mon tissu musculaire. Et c'est pour ça qu'en fait, le besoin, il monte. C'est-à-dire que si je ne fais pas d'activité physique, c'est 1 g kg de poids de corps jour. Si je fais de la course à pied type marathon sur du plat, c'est 1 g 2, 1 g 3. Si je fais du trail où il y a de la dénivelée, c'est 1 g 4. Donc en fait, plus le muscle va être sollicité, et ce qui veut dire que pour un même sportif, par exemple, je prends un karatéka ou un trailer, quelqu'un qui fait de la course à pied, qui va courir sur du plat, bah, il peut être à 1 g 2, 1 g 3. Et puis s'il a une phase d'entraînement où il va faire du fractionné ou de la course de côte ou des choses comme ça, on va le monter à 1 g 4. On augmente les apports en protéines. On augmente les apports en fonction justement de l'entraînement. De l'intensité qu'il met. Oui, exactement. On peut assimiler que 30 g de protéines toutes les 3 heures. Il y a des études assez récentes là-dessus qui montrent que l'optimum d'absorption, en fait, c'est toujours une histoire de poids de l'individu. Et en fait, on absorberait 0,25 et 0,5 g de protéines par kilo de poids de corps idéal et par prise. C'est-à-dire qu'en fait, après un effort, il faudrait prendre entre 0,25 et 0,50 g de protéines. Et c'est ce qui est potentiellement assimilable. Et il y a des études qui ont montré, en post-effort, en fait, la dose utile de protéines, encore une fois, c'est pour un individu standard de 70 kg, 20 g de protéines pures. C'est-à-dire qu'en post-effort, il faudrait pouvoir ingérer 20 g de protéines pures. C'est pas un grammage plus que d'habitude, c'est-à-dire que ce grammage, on va le déduire de l'apport total. D'accord. C'est-à-dire que si tu as besoin, par exemple, de 120 g de protéines par jour, et qu'en post-séance, tu prends 30 g de protéines, c'est-à-dire que sur la journée, il ne reste plus 90 g de protéines à manger. Okay. C'est pas en plus. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où j'ai avalé une protéine, qu'elle soit solide ou liquide ? Alors, ce qui se passe en fait au niveau de la digestion de la protéine, et ça, c'est un paramètre important, c'est qu'en fait, pour que quelque chose passe dans le sang, il faut que ce soit digéré. Donc, en fait, quand je vais consommer de la protéine, en fait, il faut le voir comme un gros collier de perles, et chaque perle s'appelle un acide aminé. Et j'ai 21 acides aminés différents. Donc en fait, les protéines vont passer dans le sang sous forme de petits colliers de perles, de 2 à 3 petites perles. Donc il faut que moi je le digère. C'est-à-dire que si je ne digère pas correctement mes protéines, je ne les absorbe pas. C'est pas parce qu'elles sont dans ma bouche qu'elles vont passer dans le sang. Donc en fait, tout le principe de la digestion, justement, c'est d'arriver à découper ces protéines pour qu'elles puissent passer dans le sang. Que je prenne une protéine solide, une protéine liquide, la digestion devra avoir lieu de la même façon. Si le transit s'accélère, en fait, s'il y a des diarrhées par exemple, c'est qu'on digère mal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un temps de digestion qui va être trop court et on n'a pas le temps d'absorber ce qu'on a avalé. Donc ça, c'est un paramètre important. Et souvent, on n'y pense pas. C'est vrai qu'on se dit « Toc, j'ai pris ma prot, c'est bon, j'ai ce qu'il faut ». Non, parce que la protéine doit être digérée. On peut faire un super repas. Je peux faire un super repas bio, mais que j'avale vite fait en pensant à autre chose. Et du coup, je vais pas le digérer, parce que pour digérer, il y a tout un contexte, il y a un système nerveux qui se met à fonctionner de façon différemment, il y a des sécrétions digestives qui doivent avoir lieu, et ça, ça se fait dans un contexte où on est détendu. Le rôle des acides aminés, comme c'est des protéines. Pour faire un muscle, il faut les 21 acides aminés. Qu'ils soient essentiels ou non essentiels. Qu'ils soient essentiels ou non essentiels. Essentiels, ça veut dire que je ne sais pas les fabriquer, donc si je les mange pas, je les ai pas. D'accord. Et non essentiels, ça veut dire que je suis capable, en bidouillant, la biologie va faire, la biochimie va faire que je vais pouvoir fabriquer les acides aminés à partir de ceux que j'ai déjà, en les combinant et en les modifiant. Okay. Hein ?
Donc c'est ce qui fait la notion d'essentiel et de non essentiel. La leucine, oui. La valine et l'isoleucine. Oui. Ce sont trois acides aminés très particuliers. C'est ce qu'on appelle des acides aminés branchés, ouais. Et c'est ce qu'on appelle les acides aminés glucoformateurs. Donc ce sont des acides aminés qui vont pouvoir être transformés en sucre pour nourrir le cerveau et les muscles si j'ai des carences d'énergie. Que si je fais une séance qui est trop longue, au cours de laquelle ou avant laquelle je n'ai pas suffisamment mangé, une séance intense, mon corps est capable de détruire du muscle, il va littéralement détruire du muscle, donc je vais me manger, et ce que je vais manger en fait c'est valine, leucine, isoleucine, pour le transformer en sucre et alimenter mon cerveau. Sauf que valine, leucine, isoleucine, ça fait partie du tissu musculaire contractile. Donc en fait, je bouffe littéralement du muscle pour le transformer en sucre. Et c'est pour ça qu'effectivement, dans ce cas-là, tu vas mettre dans ta boisson d'effort soit du sucre, soit valine, leucine, isoleucine. Ce qui veut dire que même si ton corps a besoin d'utiliser valine, leucine, isoleucine, tu les auras apportés et il ne va pas venir casser le tissu musculaire. Il y a un apport de l'extérieur. Voilà. D'où le pourquoi on dit que les acides aminés protègent la masse Exactement. Musculaire. Exactement, protègent la masse musculaire. Et après, il y a une deuxième chose, c'est que la leucine, c'est un acide aminé très particulier qui joue un peu comme facteur de croissance et qui intervient dans la stimulation de la prise de masse musculaire. D'ailleurs, dans une boisson de récupération, il faudrait qu'on ait une certaine quantité de protéines, on en a parlé tout à l'heure, plus ou moins 20 grammes, oui. Et il faudrait qu'il y ait 3 à 4 grammes de leucine dans les 20 grammes de protéines pour avoir un effet de stimulation efficace de la prise de masse musculaire. Avant ou après la séance ? Oui, après. Donc la leucine, elle a un double intérêt. C'est un acide aminé branché, et c'est un acide aminé qui permet de stimuler la prise de masse musculaire. Quand je prends une protéine, quand je prends une caséine, quand je mange du blanc de dinde, quand je mange du fromage, j'ai tous les acides aminés. Si je prends une caséine en post-effort, elle est déjà riche en valine, leucine, isoleucine, donc c'est pas la peine de rajouter des BCA dans ma caséine. Ok, là c'est pour la caséine, mais si je sors de l'entraînement, je peux mettre mon shake de whey avec mes BCA dedans? Non, justement, pas forcément non plus, parce que la whey, elle est très riche en valine, leucine, isoleucine. Donc en fait, dans ta whey, t'as déjà tout ce qu'il faut. Faut vraiment garder les BCA pour l'effort. Voilà. Avant l'effort. Ouais. Avant et pendant l'effort, en fait. Hein. Donc ça marcherait aussi pour un jogger. Complètement. Qui part à jeun, quelqu'un qui veut faire un entraînement à jeun. Le jogger qui part à jeun, il a dans sa boisson d'effort un peu de sucre et il a ses BCA. Donc on ne peut pas fabriquer, on les a comment ? On les a par rapport à la nourriture. Et c'est aussi pour ça que les personnes qui sont végétaliennes et qui ne mangent aucune source de protéines animales, il y a des carences qui se mettent en place. Parce qu'il y a certains acides aminés qu'on ne peut pas inventer. Quand on mange végétalien tous les jours, il faut faire attention. T'as aucun problème avec la protéine en poudre ? Bah non, parce que si la protéine en poudre s'intègre dans un contexte alimentaire équilibré, il n'y a pas de souci. Si l'alimentation est déséquilibrée et puis que la consommation de protéines en poudre est complètement délirante, ça va pas. J'arrête pas de leur dire à tout le monde que vaut mieux privilégier le solide que le liquide. Bah oui. Et une fois que le solide est privilégié, s'il nous manque un apport, on vient le chercher avec le liquide. Exactement, exactement. On vient le chercher avec un complément. Donc si je prends de la whey, je suis pas drogué. Non, tout à fait. T'es pas dopé sur le cours de la whey. Je suis pas dopé non plus. Non, et non plus, t'es pas dopé. La whey en post-effort, c'est un avantage, entre guillemets, de la technologie qui nous permet d'avoir de la whey. Pour toi, tes athlètes, tout ça, les athlètes pro, tu leur prescris ça aussi. Quand il y a besoin, je leur dis de prendre de la whey en post-effort. Et même chez les personnes sédentaires qui disent, bah, mais moi, j'aime pas la viande, j'aime pas les œufs, j'en mange pas beaucoup, et ben, je leur propose éventuellement de rajouter de la poudre de caséine dans leur yaourt du matin ou dans leur céréale du matin pour remplacer un œuf, par exemple. Mais à partir du moment où ça reste équilibré, où on respecte les dosages Toto, ben y a pas de souci. Chez les personnes âgées dénutries, la whey est super intéressante. Parce que justement, il y a cette leucine, elle stimule la prise de masse musculaire. Donc quand on est une personne âgée qu'on a perdu du muscle suite à une intervention de chirurgie, suite à une fracture, la whey peut être très 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 intéressante. C'est pas seulement pour le sportif, mais tout le monde est concerné par une prise de protéines. Et on sait en fait que la masse musculaire globale est un facteur de santé. Même si on n'est pas sportif, le fait d'être musclé, c'est un facteur prédictif de santé. Et le fait d'être peu musclé, eh ben, c'est un facteur prédictif de moins bonne santé. Donc il faut maintenir notre capital musculaire tout au long de la vie, en sachant que ce capital musculaire, il descend. Ouais. Le problème, c'est que plus on avance en âge, moins on a envie de manger de viande. Et si on mange moins de viande, eh ben, viande, poisson, d'œuf, et délitage, eh ben, elle diminue d'autant plus. Je sais pas si ça marche avec les Arabes, ça, parce que moi, tous ceux qui ont 50 ans chez moi, 60 ans, la viande, ils la lâchent pas. Eh ben, c'est bien, mais c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que souvent, on voit qu'avec l'âge, ben, les gens, en plus, il y a souvent des problèmes de mastication dedans, la viande, c'est plus compliqué à manger. Et puis après, ça dépend des cultures aussi. Hein. Ouais. Et en logique, hein, les recommandations santé, la personne jeune sédentaire, c'est 1 g de protéines kilo de poids de corps jour. La personne âgée, au-dessus de 60-65, c'est 1,2 g. Ah, ça passe au-dessus. Ouais. Hein? Donc, tu privilégies quel genre de protéines ? Plutôt les protéines animales, de la viande, du poisson, des œufs, et puis des protéines végétales associées en fait aux protéines animales. Aucun souci avec le jaune d'œuf ? C'est ce qu'on dit à chaque fois. Oui, le jaune d'œuf, c'est du gras, enfin, tout le monde le jette. Non, il n'y a pas de souci avec le jaune d'œuf, parce qu'il y a aussi des choses intéressantes dedans, donc j'ai pas de souci avec le jaune d'œuf. Non. Il y a des études récentes qui montrent qu'on peut manger une vingtaine d'œufs par semaine sans que ça pose de problème. Donc, jaune inclus ? Jaune inclus. Il y a quoi exactement dans le jaune, Thibaut ?
On va trouver différentes choses. On va trouver effectivement plutôt des lipides. Il y a certaines vitamines liposolubles. Il y a du cholestérol. Mais après, le cholestérol, c'est pas une mauvaise chose. Et le cholestérol, il y en a besoin pour le fonctionnement du cerveau. Il y en a besoin pour fabriquer certains antioxydants. Il y en a besoin pour fabriquer les hormones stéroïdiennes. Toutes les hormones sexuelles sont faites à partir de cholestérol. Donc après, le problème, c'est les gens qui fabriquent trop du cholestérol. Là, il faudrait y faire attention avec les autres. Merci à toi Thibaut. Eh ben, avec plaisir. Le prochain, ça sera la glucide. Eh ben, ça marche, on peut faire les glucides la prochaine fois. Ouais. Après, on suit sur les lipides. Ça marche, nickel. On peut en faire beaucoup. Ouais. Nickel, il y a de quoi faire. Hein. Je vous mettrai son site, il sera juste en dessous là. Ou peut-être je vous mettrai juste au-dessus ici, au-dessus de sa tête. Je le mettrai aussi dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Partagez-la tout le monde parce que c'est très important. Comme vous avez vu, il ne s'agit pas que du sportif. Donc partagez-la, mettez un pouce bleu et faites-la connaître.